Jazz. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures! Je plaisante! Quoique... Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des Cinq Morts. Ou plutôt, Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité.
Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois, sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois, et aussi une prochaine. La vie, la voilà qui commence. Quel grand moment! Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. La Fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Bonjour, je suis Isaac. J'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet. Je dirige la division divertissement. À quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir? Ne répondez pas, c'était une question rhétorique. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc.
Et une dernière chose. Votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention. Et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. Parfait! La division divertissement suit vos progrès de près, vous savez. Améliorez votre réputation auprès d'elle et vous augmenterez vos chances de vous voir confier des missions plus difficiles. Salut, c'est moi, Isaac. Comment va? J'ai pas mal de projets.